toi, c'est la jalousie qui te dérange. Tu comprends? Parce que je ne te regarde pas, regarde ça. Tu regardes qui? Mon goût. Pardon, Seigneur. En tout cas, il faut te méfier. On soigne, il faut te méfier. Là n'est même pas mon problème, tout ce que vous êtes en train de me raconter là. Je vous donne 24 heures. Vous avez 24 heures pour venir payer vos loyers. La personne qui ne veut pas payer mon loyer dans 24 heures libère les lieux. J'en ai terminé et vous pouvez vous lever. Parfumerie de cette conde a touché ta peau amortie là. Toi aussi tu te vends. Malchance. Regarde-toi. Tu ressembles au parfumé. Tu peux me parler? Oh, vraiment, quand je vois quelqu'un quitter son pays, venir se... En tout cas, j'ai beaucoup parfumé. Tu n'as rien à dire, hein? Hey, regarde ça. Ah, vraiment, le Cameroun, c'est le Cameroun. Hein. Vraiment. Chacun fait comme il veut. Voilà. Toi là, tu n'as rien à dire. Est-ce que j'étais branché? Il n'a pas le droit de parler. Regarde-moi celle qui nage toujours dans l'eau là. Hey, occupe-toi de ton pays. N'importe quoi. Je l'adore en plus. Annonce-moi, va voir toutes les dames là. Va voir tout ce monde là dans 10 minutes de réunion. Je suis là. Même ceci. Voilà. Président dit que il y a 10 minutes, il y a réunion. 10 ah, minutes. Président. Oh, hey, t'arrives. Vous fermez déjà l'entrée de chez moi. Non, non, c'est, on ne ferme pas. Ton bas, c'est mon bas, non. Le président dit qu'il y a réunion. Pardon, ça se repasse la route, donne-la moi à la tête. Dans 10 minutes, réunion ici là. C'est le frigide qui est à la moi, je dis seulement, mais tu n'es pas celui qui doit annoncer. Tu n'as pas vu 10 minutes. Madame, voilà. Madame Lacoula a dit que je viens vous décrire la réunion dans 10 minutes.
dans 10 minutes. Ouais, tu bavardes, tu ne vois pas le soleil ici. Ah, moi, je dis seulement ce qu'on m'a demandé de dire. Qu'il y a réunion. Si vous voulez, ne venez pas. Oh, ce n'est pas moi qu'il faut parler. Vais se tenir sur la présie. Madame Jacola. Ouais. Ah, madame Salama. Le président a dit qu'il y a la réunion dans 10 minutes. Tout de suite là. Elle vous attend. Donc là, 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 là. Ouais, là, 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 là. Donc selon elle, nous, on n'a rien à faire. Hein? Hein, pour de quoi? Donc, nous, on n'a rien à faire. Est-ce que c'est à moi qu'il faut dire ça? C'est là-bas devant qu'il faut aller répondre. Et je demande, tu es son envoyé spécial. Elle a dit, je cours. Pardon, dégage. Bon, je vais lui dire que tu as dit que ne dérange pas les gens. Dégage. Hé! Hey! Enlève-moi dans ta bouche. Bon, ça va, je vais dire qu'elle a dit que dégage. Ah! Elle est là-bas, non? Donbass et Momba. C'est le soleil. Ça va jouer. J'ai dit à tout le monde. J'ai dit à tout le monde. C'est ici, non? Oui. Ah, ah. Voilà. Toi, tu m'étonnes. Où tu passes, tu passes ton temps à regarder les vies des gens? Où tu vends? Où tu cherches les femmes? Pourquoi tu me regardes ainsi? Moi, je te regarde. Quand tu cours, je te regarde parce que tu as mis le coton sous les seins, ça tombe comme les babouches. Moi, je peux te regarder. Si je te donne les seins, si, tu ne vas pas t'aider. Tu ne vas pas t'aider. Regarde-moi le viol là. Tu ne vas pas t'aider. Moi, je regarde tes seins parce que tu as mis le coton en bas, les babouches. Enlève le coton, ça ne doit pas tomber. Qu'est-ce que tu veux? Si on te donne les cotons là, tu ne vas pas prendre. Et ne traite plus jamais mes seins de cotons, d'accord? D'accord? Donc tu appelles pardon, ça. Sers-moi une bière. Tu appelles ça les seins. Sers-moi une bière. Je ne vends pas aujourd'hui. Tu vas vendre. C'est férié. Tu vas vendre. Je ne peux pas te vendre. Sers-moi une bière. Ouais, les gens qui te donnent souvent les demi-bières là ne sont pas là aujourd'hui. Ça va, moi-même et demi. Sers-moi une bière. Le crédit est mort, donc je ne peux pas te donner. Ah? Ouais. C'est, le corps est dans quelle morgue? En tout cas, j'attends le programme sur place, mais sers-moi d'abord une bière. Je ne vends pas. Sers-moi une bière. Tu as le souffle. Je ne vends pas. Ne fais pas qu'on te trouve là-bas dedans. Hein. Je veux une bière. Sers-moi une bière. Qu'est-ce qui te prend même souvent? Parce que je t'ai refusé ma bière. Moi, je ne te vends pas la bière. Six mois d'impayé. Attends, vous croyez, attendez un peu. Je vis de quoi? C'est de ça que moi je vis. Quand vous faites 6 mois, je dis bien 6 bons mois, vous ne payez pas. De grâce, si vous voyez que vous ne pouvez plus rester, si vous ne pouvez plus louer ici, pardon, libéré. Si vous ne pouvez plus louer ici, libéré. Vraiment, Zach, moi je sais où. Mais il faut savoir que le marché ne passe pas. Le déo est dur. Bien dû. Ouais, patron. Franchement, moi, je suis dépassée. Parce que je ne sais pas ce qui se passe ici. Et où c'est quelqu'un qui pratique, oh, je ne sais même pas. Chaque jour, l'odeur des encens. Quelqu'un passe son temps à allumer les encens et ça sent de partout. Quand tu arrives le matin devant ton lieu de commerce, tu trouves qu'on a jeté, balancé les choses partout. Moi, je ne sais pas celui qui fait ça. Moi-même, je suis dépassée. Avant, ça passait facilement et ça, je vous payais facilement. Que la personne qui fait cela, qu'il arrête. J'espère que toi, tu ne t'adresses pas à moi, là. Ok. J'ai dit, tu te sens concerné. Je parle ma chose, ça te sert. Hein? En tout cas, tu n'as qu'à te moucher. Moi, je pense même que la personne a le serpent. C'est grave de mon côté. Hey, maman Nangaï. Tu as parlé le serpent. Hein? Avant, je vendais 100 000 par jour. 150 000. Aujourd'hui, même le crédit, les gens ne viennent pas prendre. Et à le moment.
qu'on a mis là-bas. C'est grave, hein. Je n'ai pas dit que tu es à Lumbuma. J'ai demandé que... excusez-moi, c'est le piment. Nous-mêmes, les joueurs de Songola, ils doivent aussi payer le loyer. À partir d'aujourd'hui même, trouvez déjà votre place, parce que vous ne pouvez pas venir vous placer à l'entrée de mon bar. Ouais. Je ne vais plus vous voir là. Ouais. Vous venez vous placer devant mon entrée que je vais faire comment? Mes clients doivent entrer comment? Ouais. Vous avez compris, non? Donc, vous devez quitter là-bas. Vous ne devez plus bloquer le bar de Zach. Et toi? C'est chez toi ici? Hein? Toi, c'est la jalousie qui te dérange. Tu comprends pas? Parce que je ne te regarde pas, regarde ça. Tu regardes qui? Mon goût. Seigneur. En tout cas, il faut te méfier. On soigne, il faut te méfier. Là n'est même pas mon problème, tout ce que vous êtes en train de me raconter là. Je vous donne 24 heures. Vous avez 24 heures pour venir payer vos loyers. La personne qui ne veut pas payer mon loyer dans 24 heures libère les lieux. J'en ai terminé et vous pouvez vous lever. Bon. Vous ne payez pas, vous plaquez. Mon petit, je te dis, le son, c'est que mes ancêtres m'ont laissé avec. Je suis le meilleur joueur international. Tu ne peux pas, mon petit. Je suis ton niveau. Oh. Joue. Allez. Joue, non, Big, joue. Au revoir. Il veut les bâtonner. Joue d'abord. Il veut les bâtonner. Un bâtonner, deux bâtonner, trois bâtonner. C'est un bâtonner. Joue ton niveau. Tu ne peux pas. Joue. Nalmi. Tu fais trop de bruit. Tu t'agites trop. Et c'est le pays qui vous montre ça. Un blanc, tu viens. Tu es d'abord un descendant d'un blanc. Un vieux blanc qui est venu ici, il est parti. Tu viens mettre ta peau au son. Tu as quelle tête? Attends, regarde. Regarde ça, tu es un tricheur. Laisse d'abord les histoires de tricheurs. Il t'a dit que moi, ne connais pas le son, mais sur le VAR. Tu comprends un peu, non? Hein? Hein? La VAR. On dit le VAR. Ah ok, ça va. Toi tu connais tout? Non, je ne connais pas tout. Je vous ai dit que sur l'outil du blanc, dans le jeu des nègres. Qu'est-ce qu'on dit alors? Jo, laisse-le dessous. On dit le VAR. La VAR, on dit le VAR. On dit le VAR. C'est le VAR. Lui connaît tout, non, il choisit. Il connaît tout. C'est vous qui arrivez là-bas, non? Jo. Moi, on dit le songo. Jo. Le VAR dans le songo, tu peux... Ah, ok. Hey, Jo petit. Tu vas parler ton vrai patois maintenant. Ah, même, je vois les choses ici dehors. Et il y a les femmes ici qui se lèvent le matin, elles font les petits travaux à la maison. Mais il y en a qui, elles se lèvent le matin, même sans brosser les dents, même la toilette intime, elles ne font pas. Elles s'assoient au bar pour commander les petites bières. Les demi-bières même. N'est-ce pas, je vois comment quand même tu es prêt. Petit villageois. Tu dis ça à qui? Toi, tu dis ça à qui? Tu es villageois. Toi. Ici en Afrique, c'est tuer ton prochain. Fais la jalousie avec ton frère et ta soeur. Sorcellerie, bango bango. Avion de nuit non-stop. Pourquoi quand on parle de sorcellerie, tu t'agites comme ça là? Tu es un peu bizarre quand on parle de... C'est vrai ce qu'on parle ici, hein. Parce que tout le monde le sait, c'est d'utilité publique reconnue par tous. Tu es un grand sorcier, toi le gars.